vous laisse avec LKG. Il va vous raconter des choses sûrement très intéressantes. Allez, bisous. Hein. Je peux raconter ma journée de cours, si ça intéresse. Bon, ça va pas intéresser parce que voilà. Oh, regardez, je me vois. En fait, je vais mettre comme ça. Bonjour, je suis DigiWave. Comment allez-vous? Moi, j'appelle Juarez. Juarez, le fauteuil. Regardez l'homme de l'ombre, le conducteur, le magnifique, avec ses lunettes de soleil, alors qu'il fait noir. Première chose que je lui ai dit d'ailleurs, première fois que je le vois de ma vie, IRL bien sûr, je lui fais, mais pourquoi t'as des lunettes de soleil dans le noir? Alors vas-y, Juarez, pourquoi t'as des lunettes de soleil dans le noir? Pourquoi j'ai des lunettes de soleil dans le noir? Ouais. Et ben tout simplement parce que ça me protège quand même les yeux. Ok. Donc après, ouais. Voilà. En fait, il a des yeux de sensible. Non, en vrai, c'est qu'il a des cernes jusqu'à là, en fait, minimum. Du coup, il met les lunettes pour cacher quand c'est trop la crise. En fait, c'est des coquards, quoi. C'est des. Ouais, ouais, c'est ça. Ça. Tu vois, au pire, tu fais comme moi. Tu fais semblant de pas avoir de cernes. Mais en fait, t'en as, du coup, ça fait de la merde. Et après, tu fais des têtes de cul, genre. Ça sert à rien, du coup. Non, mais tu fais des têtes de cul. Et c'est bon. Ah, oh, mais t'es pas obligé de te forcer, davantage. Oh. 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 Il est méchant. Les méchants, presque comme Jav. Jav, le méchant de service. Vous pouvez l'acheter, hein, deux dromadaires l'heure. Les dromadaires avec une seule bosse, bien sûr. Qui s'en va avec son ballon. Ah oui. Regardez, il fait de la pub et on n'a même pas de truc d'épicube. Donnez-nous des gifs. À nous l'argent. Regardez, ils sont en train de manger, là. Alors là, vous ratez quelque chose parce qu'ils sont en train de se goinfrer, mais un peu comme des porcs. Ah, moi je propose qu'on passe à la caméra. On filme Epicube qui mange. Eh, hey, mangez, on vous filme. Tu peux venir ici si tu veux. Allez, viens. Prends à manger mais par mais contre. Mais que la bouche pleine. Bah oui. Ah, il arrive. Le voilà. Le staff. Bah oui. Regardez, non mais, les règles de politesse. Voilà, aucune générosité. On lui offre le canapé. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène même pas. Voilà. Ah là là, qu'il est gentil. Aubergine. Aubergine. Alors, attendez. Il faut savoir que je suis suisse. Donc si c'est dégueu, c'est que c'est du chocolat dégueu. Ok? Ouais, mais c'est pas nous. Hein. Alors pour l'instant, tu peux te présenter, je te propose. Tout en mangeant, bien sûr. Alors, au menton, comme ça? Voilà. D'accord. Donc moi c'est Mister Joe 44, modérateur sur Epicube, et voici un gâteau fait par un joueur au chocolat et à l'aubergine. Est-ce que c'est bon? En fait je ne sens pas l'aubergine, mais il est bon. Mais je ne sens pas l'aubergine. En fait je suis sûr ils vont droguer. Après ils vont me cacher sous le stand, ils vont me vendre comme des chameaux. Trois chameaux au moins. T'inquiète, t'es pas le seul qui l'utilise. Il y en a, c'est une nuit qui va avoir mal un peu, je crois. Ouais. Mais faut pas lui dire. T'inquiète, on a déjà piégé leur stand. Vraiment, hein, ça m'étonne. Ah là là. Non mais, vous savez pas ce qu'on a fait à votre stand. Et ça c'est beau. Et oui, nous on était là ce matin, hein. On était à 6h... Non, c'était quoi? 7h? 7h15. 7h15, on monte le stand et on vous a bien trollé. C'est bien rigolo. Ah. Ça, faut aller voir sur Twitter et sur notre chaîne YouTube. Surtout celle de Jav. Bah oui. Alors, allez sur YouTube, vous mettez /user/Jav. Il va sortir des vidéos de la convention. Où t'as bien trollé Epicube. T'as filmé quand tu t'es promené. Ah mais non, c'est moi qui ai les vidéos. Ah bah oui, j'ai une vidéo sur mon appareil. Regardez, il est là. Non, ça c'est mon iPhone. Bah oui. Regardez. Des magnifiques. Là, il y a toutes les vidéos de trolls qu'on vous a fait. Bon, on en a pas fait beaucoup. Là, il est vénère. Hein. Lui, je vais le croiser en jeu, il va faire « Hey, le KG !» Bad. Bah, c'est compliqué. Tu vois, en fait, c'est un L, après c'est un K, et après c'est un G. Tu vois un peu la difficulté? T'as trois lettres à taper. T'as une chance sur... Moi, ouais. Bon, ouais. Non, mais ça change rien. Oui, genre, bon. Tu peux écrire Varese 42.
sans majuscule et c'est tout moche. Varez. T'imagines, il s'appelle Varez. Il a 42 dans son pseudo. Alors, toi, vu que j'ai oublié ton pseudo, Monsieur 5544. Mais tu sais pas lire. Si. Attends, non, mais moi, ce que je lis, c'est là, Monsieur 50. Non, 5.5.44. Tu te calmes. Moi, sinon, je te parle en allemand. Ok, jetzt rede ich nur Deutsch mit dir. Du hast überhaupt nichts verstanden. Und jetzt versuchst du zu verstehen, aber du verstehst überhaupt nichts, weil ich zu schnell spreche. Und ich sagte, dass Mr. MR Mr. ist. Also sagt man in Französisch Monsieur. C'est bon, t'en as assez? Ça veut dire en gros, je me foutais bien ta gueule et que vu qu'en allemand on disait Mister, on dit monsieur en français. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Soyez bilingue. Regardez là-bas, il y a un tard. Un tard d'Epicube. Ils sont partout. Vous, venez. On vous invite à vous asseoir. Et vous refusez? Allez, venez. Bah voilà. C'est bon, maintenant nous on se décale. Parce que tu comprends, je suis un peu gros. Ah, la petite photo avec Gustave. Avec Gustave. Qu'est-ce que vous en pensez de notre mascotte? Mais c'est de la merde, Gustave. Attends, répète-le, Chris, faut que tu écoutes ça. Gustave, c'est un putain de nom de merde, hein. Regardez, il est trop vénère. Il va te casser en deux, hein. Il va se lever, il va prendre la chaise, il va te la balancer dessus. Regarde, il arrive. Il arrive, il va te tuer, là. Ou alors, il va nous snobber. Regardez comme il nous snob. On appelle ça le président. Merci le président. Ah là là. Du coup, vu que... Non, ouais, moi j'ai ramené mon gosse. Hein. Il a un peu la touffe. Alors vas-y, je te laisse l'honneur de te présenter. Ok, donc moi c'est Oko, Okozop, enfin sur le serveur. Donc je suis architecte sur Epicube. Et je m'occupe de tout ce qui est un peu détail, un peu finition, avec des armor stands. Donc voilà, ce que vous pouvez voir sur les hubs, entre autres, qui ne ressemblent pas à du Minecraft normal, mais qui utilisent du Minecraft classique, c'est moi qui m'en occupe. Voilà. C'est à peu près tout, il l'a dit. Moi, tu vois, je sais construire une maison en dirt. C'est magnifique, non? Tu penses que je peux essayer de devenir architecte avec ça? Il est où Bob? Bob, on t'invite. Ah, voilà mon ami que j'ai croisé avant. Le Sims. Du coup, c'est une invasion. Tout le monde veut squatter le canapé. Alors, Jav, je te propose de t'asseoir devant avec ton invité. Pourquoi? Ok, alors, toi, vu qu'on t'a déjà présenté, je te remercie pour ton chocolat, mais au revoir. On t'aime. Pas du tout. Non, on t'aime, t'inquiète, on t'aime, ouais. Ouais, on t'aime. Attends, moi aussi je peux le faire, hein. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Moi aussi je peux mettre la pub, hein. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas de la pub. Le placement de produit. C'est pas comme si je mettais ça. Regardez, ça c'est de la pub. Bah c'est rigolo. Oui, Jav, le méchant de l'équipe. Du coup, toi, qui es-tu? Du coup, je suis Bamatois. Donc, je suis modérateur sur Epicube. Bravo! Et je m'occupe aussi de tout ce qui est ressource pack 3D, donc comme le Survivor. Et je suis d'ailleurs en train de travailler sur un autre ressource pack. Tu peux nous spoil? Ah non! Je peux juste te dire qu'il y aura des petits hamsters. C'est bon, j'achète. J'achète. Des hamsters. Bon, du coup, avez-vous un dernier mot à dire? Bonsoir. Lui, il est déjà à l'after, lui. Exactement, je suis toujours à l'after. Moi. Bah oui. Bob Lé, on t'aime. Oh putain. Oula. Alors ça... Qui est Bob? Il passera après. Alors, messieurs, je suis désolé, mais je vous vire. On vous aime, bien sûr. J'aime bien ta coiffure. Tu me prêtes tes cheveux?